15 ans. J'avais 15 ans quand j'ai découvert ce jeu pour la première fois. Marvel vs Capcom 2 sur bande d'arcade. Je glissa alors 2 francs. Oui, à l'époque c'était des francs. Et j'affrontais pour la première fois des personnages mythiques du jeu vidéo contre de la BD. Spider-Man, Iron Man et tous les autres, Captain America et autres. Que d'agréables souvenirs. Je crois qu'il est temps de passer à la dernière version avant que nouveau sorte. Ultimate Marvel vs Capcom 3. Capcom presents Marvel Comics. Ça, c'est de l'intro qui te donne envie de jouer. Ultimate Marvel vs Capcom 3. Salut à tous, c'est Zirlix et bienvenue sur Marvel vs Capcom 3 ou 3. Un jeu de baston vachement fin d'art. C'est quoi ça? Ça à l'écran, on va faire directement ce mode. Oh la gueule de Ryu. D'accord. Je sais pas du tout ce que c'est. Je m'en fous. Ok, mais comment? Oh, c'était relou. Alors, je vais prendre la Team Heroes.
voir ce connard. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut empêcher Galactus. Welcome to the world of Marvel vs. Capcom 3. The world's greatest heroes are all here. Lay claim to your glorious victory. Trish. Yet Fury Joe. Où est donc mon petit Megaman? Ouais, si vous le savez pas, en fait, je cherche les persos cachés. X23, ouais. Bon, mais je sais pas où est Megaman, donc c'est pas grave. Je vais prendre 0. Ah. Je préfère les persos de tir, perso. Comme je vous l'ai dit, je préfère largement quand ça tire. C'est qui lui? Fireman, ce, je connais pas. Et là, un Spider. Web ball, web swing, spider sting. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Allez, préparez-vous à ce que je me prenne la raclée du siècle. Ils sont en fer. Ce jeu a vraiment évolué. Et lâche-moi toi. Je suis désolé, je suis carrément pris dans le combat. Ah, ça y est. D'accord, c'était comme ça. Je me rappelle plus du tout les touches, c'est affreux. Bon, à part les coups basiques, je veux dire. Ouh, ça a dû piquer. Hey, Arthur de Ghost and Goblin. Donc ça, c'est du déplacement, ok. Quelque chose me dit que je vais pas aller bien loin si je continue à faire n'importe quoi. Si vous êtes sage et que Red est dans les parages, je vous promets de faire quelques duels avec lui. Je pense qu'il ne refusera pas ça. Zéro, je suis désolé, t'as servi à rien. Ryu, toi encore moins. Ok. On va choisir un autre stage. Allez, un petit Nemesis. Marvel vs Capcom 3. That's right, the third chapter. The superheroes are all here. Who will rise to the top? Et vu qu'il y a le Nemesis, Joe. Oh, kick, some awesome kick.
Cartoon Cake. Et Wesker, bien sûr, hein, qui fait partie de la team Resident Evil. Il y a une Nemesis, il y a un type que je connais pas et... Tiens. On peut pas faire ça dans Resident Evil, c'est bizarre. Testons un peu Wesker. Wouh! T'es rapide toi. Virgile, c'est pas le frère de Dent. Et je l'ai totalement foiré. Oh, pas besoin. Et c'est parti pour Jill. Wow. J'ai l'impression de jouer Camille dans Street Fighter. Quoi. Oh la rapidité de ce perso. Foiré l'ulti. Non, c'est pas grave. J'aimerais bien que tu me frappes. Mais écoutez, pour une team Resident Evil, je crois que je me suis pas trop mal sorti en plus. Ça fait deux. L'autre, il avance comme un porc. Voilà. Ce que je disais. Et dernier combat, puis après, on va arrêter la vidéo là, je pense. Dormammu, Dormammu. C'est qui le méchant gentil? On prend notre trench. Allez, Vagamoto. Ensuite, il me faut du Nova, je crois. Hein. Non, ça vous dit de prendre un peu de Nova? Non? Ghost Rider. Allez. Frank West, c'est pas le mec de... Ah merde, comment il s'appelle ce jeu avec plein de zombies là. Ah, j'ai totalement oublié. Frank West, c'est le héros de... Oh putain, si Dave BZ voit ça, je suis désolé. J'ai totalement zappé qui était le jeu de Frank West. Parabolique, H, vertical. Je suis sûr que je me suis planté, mais... Étant donné que j'ai pas du tout vu à quoi servaient les cartes, je suis sûr que je fais de la grosse merde. Tiens, c'est pas une dague ça, attends moi. Mais c'était violent ça. Je vais te punir comme j'ai puni ta femme. Je crois que je l'avais foiré, mais il a pris. Le Ghost Rider. Et c'est pas celui joué par Nicolas Cage. Taskmaster.
Le perso de Marvel qui a toutes les capacités une fois qu'il les a vues. L'arc Hawkeye. Hawkeyes. Vous savez, Faucon dans Avengers. Il a aussi le balancement de Spider-Man, les techniques de combat des meilleurs types d'arts martiaux. Il peut se déplacer rapidement parce qu'il a vu un climat en avance rapide. Et ouais, il est classe le Taskmaster. Mais j'ai vu quelque part qu'il y avait le skin Taskmaster Ultimate qui est vraiment classe. À mon avis, il faut y jouer pour le débloquer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, tant mieux. Sinon, tant pis. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur... Je sais pas quoi en fait. Je verrai au moment. Ciao tout le monde.